céleste, non? Oui, 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 oui. Ah, au fond c'est céleste. C'est là, céleste, là-bas, ouais. Au début, là, non, c'est Sainte-Croix, Vignes, Sainte-Croix, ça. Mais au fond, c'est céleste. C'est céleste. Celui-là est bon. Celui-là, il sonne mat. Ouais. Celui-là, il sonne plus vite. D'ailleurs, vous, non, mais vous, regarde, ouais, ouais, ouais. Si on voit, il brille. Hein. Ouais. Et s'il n'était pas bien cuit, il ne brillerait pas. Ouais, ouais, mais là, il est cuit. Hein. La migration ici, c'est intrinsèque au pays. Constamment, des gens nouveaux sont venus, qui se sont très rapidement, comme on dit aujourd'hui d'un terme dont j'ai horreur, qui se sont insérés. C'est-à-dire qu'ils sont devenus, en fait. Ils sont devenus les successeurs des successeurs. C'est une histoire fabuleuse, cette histoire du passage. Car ici, c'est une terre de passage. Au lendemain de la guerre de 14-18, les campagnes françaises, il n'y a plus d'hommes. Les hommes sont morts à la guerre. Et donc, on va faire appel aux étrangers qui viennent depuis toujours, les plus proches. On va faire appel aux Italiens qui, eux, ont quand même eu beaucoup moins de pertes militaires. Puis qui ont des accidents démographiques. Alors que nous, je le disais, en France, on est le pays de l'enfant unique mort à la guerre de 14. Donc, il n'y a personne pour reprendre les terres. Mais mon grand-père faisait va-et-vient. Il faisait 16 hommes, bûcherons. Et mon père, à 10 ans, est venu en France. Il a amené ses enfants en France. Mais il faisait va-et-vient, quoi. Il faisait que c'était des saisonniers, bûcherons, charbonniers. Ces bûcherons bergamasques, c'est les gens des hautes vallées au nord de Bergame, et qui sont des endroits à très forte natalité, habitués à cette immigration saisonnière. Et les enfants partaient jeunes faire le bûcheron avec les pères. Les pères emmenaient les enfants. C'était du travail d'équipe, ça aussi c'est important. C'est pas de l'immigration individuelle, c'était vraiment, les gens partaient en groupe. Donc ils étaient solidaires, et pour le village, c'était le groupe qui partait. On est venu parce que pour gagner sa vie. Parce que là-bas, le travail, une famille, on était une famille nombreuse, quand tu avais une vache ou deux, et on ne pouvait pas faire grand chose. Alors ils venaient en France pour après, comme aujourd'hui, des gens qui sont venus à l'étranger, et ils gagnaient des sous, ils envoyaient des sous là-bas. Et puis c'est la famille entière qu'on est venu le rejoindre ici, à Saint-Gély-du-Fest. Voilà. Moi j'ai été très jeune, j'avais 13 ans quand je suis venu en France. J'avais à peine fini l'école, l'année avant. Et alors, ça fait que notre vie, on l'a faite beaucoup dans des cabanes, comme ça, assez longtemps. Ça, c'est mon mari quand il était jeune. Il savait qu'il vivait dans une cabane, pas dans une cabane, parce que c'était une vieille ferme. C'est pour une baleine, vous savez aussi. Mais je savais, il ne m'avait pas menti du tout. J'ai dit, mon Dieu, je ne t'épouserai jamais. Et puis je l'ai épousé. Et moi, on arrive ici, on est descendu à Montpellier avec le train, chargé comme des ânes. On est venu à Saint-Gély avec le car. Et le car, il a fallu monter à baleine à pied. Et il boit, et des bois, et des bois. J'ai dit, enfin, où tu m'amènes? Et des bois. J'ai dit, enfin, où tu m'amènes? Tu verras quand on sera en haut, tu verras la maison en bas. Mon Dieu, je dis. Il me dit, voilà, tu vas habiter là. Je me suis mise à pleurer. Et lui, il a pris le fusil, il est parti. Il allait voir si tu es la fin. C'est-à-dire qu'en Italie, je travaillais, j'avais fait, il me semble qu'on était mieux qu'ici au début. Puis je suis née là-bas, il y avait toutes mes copines, il y avait toute ma famille, il y avait toutes. On était dans un village, et puis là j'étais dans une maison toute seule. À l'usine, il était grande, il y avait plus de 100 personnes.
ce roman, pour avoir une place, c'était difficile. Pourquoi? Ils n'embauchaient pas beaucoup. C'est après qu'ils ont changé les femmes à les hommes. Ah oui. Et même des fois, quand l'homme il s'est marié, que la femme y travaillait, il changeait de place. Tandis qu'au moment que nous sommes mariés, il ne changeait pas de place. Il m'aurait donné sa place à moi, peut-être que je serais resté là-bas. Mais comme on n'a pas pu le voir, on est venu ici dans les bois. Ça l'a chargé de travailler à l'usine qui j'étais, des centaines de personnes, et venir dans le bois, que vous étiez seul, ça n'a pas été pareil. L'après-midi, j'ai porté à manger, et puis après, je restais à bois avec lui. Alors lui, il coupait avec la hache, il débitait le plus gros, et moi, avec le poudre derrière, je coupais toutes les branches, je les mettais par côté, et on faisait des petits tas pour faire les charbonnières. J'ai fait les courses, je la faisais aussi bien que lui, malgré que je l'avais. On apprend tout, il s'agit d'avoir de la volonté. J'étais costaud. Ils avaient un savoir-faire de la coupe que peut-être les gens d'ici avaient perdu. Oui, qu'ils n'avaient peut-être jamais eu. Ils n'avaient jamais eu. Parce que c'est pas des montagnards. C'est le mouton qui permettait de défricher la garrigue. Oui, c'est pas des montagnards. Et quand la garrigue a repoussé, ben, il va falloir couper les bois. Donc ces grands domaines ont des bois et pas forcément la main-d'œuvre pour les couper. Quoi, ça va tirer contre là, avec du bois. J'ai vécu dans un appareil berceau, c'était une caisse que mon père a fabriquée. C'était comme un berceau. On n'avait pas tout comme maintenant. Hein. Dans les cabanes, il y avait le bois. Pas d'électricité, pas de frigo, rien. On n'avait qu'une table. Des fois, des chaises, on avait un tronc coupé en deux avec quatre jambes. À chaque place qu'on faisait du charbon, on faisait une autre cabanette. Mais ça, c'était juste pour rester la nuit. Quand la charbonnière est brûlée. On a trouvé un trésor là-dessus. Ah, ça fume, hein? Eh oui, je parle. Allez, à chaleur, hein, qu'il peut remonter. Regarde les trous, là-bas, regarde. Allez, hein. Laissez faire. Eh oui, mais c'est obligé le feu. Là, on a la fumée bleue, là. Oui, c'est la fumée bleue, c'est que c'était les cuits. Là, moi, je me rappelle bien que quand ils faisaient des trous, quand ils commençaient à sortir la fumée bleue, on freinait cela et on en faisait de plus bas. Voilà, et pour les faire continuer. Mais il est venu une fois couché là-bas, oui. Ça a été la première et la dernière. On dormait sur des bouts de buis, ils coupaient le buis, ils mettaient ça et puis ils mettaient un sac dessus et ça c'était le matelas. C'était ça. Et puis j'ai dit, et si un sanglier me rentre par la porte? Moi que j'en avais une peur. Mon père était bosquetier, quand j'allais pas à l'école, j'étais bosquetier. Je suivais mon père, couper, charbonnier, on charriait le bois avec le traîneau. On avait un âne qu'on portait le bois de Vessières à Saint-Gély pour se chauffer. Et ce que je faisais avec mon âne, le dimanche, les jeunes là, de 10, 12 ans, 14 ans montaient sur l'âne, on faisait des tours avec un âne et voilà.
Et on avait des poules, on avait de la pègre, on avait des cochons, on avait des chèvres, il ne nous manquait rien. Et une fois par semaine, il fallait venir à Saint-Gély chercher le pain. On prenait des repas. Et des fois, il fallait le couper avec le poulet parce que tellement qu'il était dur. Quand j'ai passé là-bas à la pizzerie que je me servais, la femme, il y avait des fois, il y a un peu de queue. Il y avait déjà. Il disait, laissez passer cet homme-là. Il a encore une heure de chemin à faire, si ça ne vous dérange pas. Il me faisait passer devant les autres. Ils étaient très gentils. Voilà, c'est par ici. Oui, c'est là-bas. Voilà. Doucement, doucement. Bûcheron, ça va un moment, c'est pénible. Et puis surtout, la forêt ici, elle ne se régénère pas en 3 ou 4 ans. Hein. À qui ils appartiennent ces bois ? Donc, on va épuiser progressivement les coupes. On a travaillé encore tous les deux, un an, dans les bois. Et après, on a trouvé une place en marge des gentils. Et on est venu là, quand j'attendais ma fille, hein, parce qu'il ne voulait pas rester là avec un bébé, parce que loin de tout, avec une fille, un bébé, ce n'est pas possible. Et il y a aussi le fait de la déprise rurale de la France, le fait que après 1945-50, oui, les campagnes se sont ont fini de se dépeupler et qu'à ce moment-là, il y a des fermes vides qu'ils voient. Là, on traînait des maisons. À ce moment-là, il n'y avait personne autour. C'était que des vignes. Au début, on disait peut-être on va rester un peu, on pourra y retourner, mais après, on a vu qu'on était pas mal, on a toujours resté là. Leur objectif, à partir du moment où ce n'était plus de revenir au pays et que c'était de rester ici, leur objectif était de passer dans d'autres métiers. Ils ont planté il y a une trentaine d'années et ils ont grandi, les souches. Voilà. J'étais régisseur, je m'occupais de l'agriculture. Alors, pour ce qui est l'élevage, j'avais deux troupeaux, hein, le troupeau, et puis ici des céréales, la vigne. Là. Vite. Les moutons, ils n'étaient pas trop chauds pour les moutons, parce que je les voyais moucher et tout, je dis ce qu'il en est, que quand je les voyais, non, je disais les moutons, moi, c'est pas mon fond. Croyez-moi que maintenant, à la fin, là, pour le troupeau, non content que je ne l'aime pas, mais j'aurais couché avec, tellement. Ça fait que le troupeau, ça a été quand même ma vie, hein, ça. Voilà. Il y a eu une période que le bois se vendait pas beaucoup. Il est arrivé le fioul, il est arrivé l'électricité, les appareils électriques, et le bois chauffage, ça perdait. Il fallait changer d'activité. Bon, moi j'étais jeune, hein. Bon, mes parents m'ont aidé. Moi j'aimais la mécanique, les voitures, je l'aimais. Hein. Et en 2003, je me suis mis pour mon compte. Acheter une pelle, deux pelles, un bulle. Après, j'ai construit ici. Bah, j'avais la volonté de travailler. Hein. Quand on est travailleur, on apprend vite. Mais c'était des gens qui étaient réputés durs à la tâche et sérieux dans le travail. Je crois que ce sont des caractères forts qui ont fait que leur installation a été, je dis pas forcément facilitée, mais admise, et progressivement, ils se sont intégrés dans la société locale. D'autant plus que cette société locale, elle est microcosmique. Il n'y a pas grand-chose. Oui, il n'y a pas grand-chose. Il y a 150 familles hein, par village, et encore pour les plus gros. Quand je suis venu ici à Combayo, j'avais 20 ans, et comme j'aimais quand même le dimanche, je te dis même, j'allais à la messe des fois, parce que ma pauvre mère était une personne qui... C'était sacré ça, et quand j'allais à Combayo,
Le dimanche, j'ai commencé, on faisait la partie de boulot, après, voilà, et là, on a sympathisé avec tous les habitants. Ah ben, la pétanque, ça a été presque ma vie, il y avait trois ou quatre, ça avait la famille. Le travail, parce que le travail, on dit ce qu'on voudra, quand on s'occupe de quelque chose, j'aimais quand même m'occuper de quand on me faisait confiance. Eh bien, je pense que quand on vous fait confiance, il faut quand même la mériter aussi. Lorsque quand même je suis rentré à la mairie, la première des choses, c'était, comme je disais, à la mairie de Combailleur, on est pauvre, je me suis occupé pas mal de choses et tout, et j'appréciais toujours de faire le moins de dépenses possible. Voilà. Et le maire, il m'a dit, « Oh, madame Milési, ça m'arrangerait si vous me dépanniez quelques jours à l'école, parce que je ne trouve personne. » Pour mettre avec les maîtresses, à maternelle. Je dis oui, moi ça me plairait, surtout les petits. Et voilà, depuis 71, je suis allée, j'ai quitté à 92. Et moi j'aimais ça. J'aimais ça. Même les jeunes maintenant, il y en a qui ont 30 ans et plus, je ne les connais plus. C'est eux qui viennent m'embrasser aussi, ils me reconnaissent. Mais moi je ne les connais plus. Mes enfants, ils allaient à l'école, surtout les deux premiers, ils travaillaient très bien à l'école. Et la fille est sortie sur le temps avec félicitations. Je ne voulais pas les faire continuer parce que je ne voulais pas rester ici. Je voulais repartir en Italie. Je dis, on reste un peu, on gagne quelques sous, puis on revient en Italie. Et puis après, l'Académie de Montpellier m'a renvoyé que des élèves comme ça, ils ne pouvaient pas rester dans l'école, à l'école à Gravel, qu'il fallait qu'ils aillent en ville, qu'il fallait qu'ils passent en sixième. Je dis, oh Dieu, là, ça nous a coincé un peu. Et puis, ils étaient italiens, parce que je ne les avais pas fait naturaliser à la naissance, parce qu'on comptait partir. Alors, on nous a envoyé de suite les papiers, on les a fait naturaliser, et j'avais fait naturaliser que mes deux aînés. J'ai dit, maintenant les deux aînés, l'autre, dans 4 ans, il passe à l'eau sous le pont, on partira. Mais l'eau sous le pont, elle a passé et moi, je suis restée là. Et à 18 ans, ils ont mis ses papiers, s'ils voulaient rester français ou prendre la nationalité italienne. Et tous, ils ont dit qu'ils voulaient faire l'armée en France. Ça fait qu'ils ont fait tous l'armée ici et ils sont tous mariés avec des Françaises, voilà. On s'est fait naturaliser, nous. Quand on a reçu le papier, on a reçu le nom avait changé. Au lieu de Francesca, ils ont mis Françoise. Et au lieu de Jean, de Giovanni, ils ont mis Jean. Le plus difficile à convaincre que l'immigration est une richesse et pas une perte, ce sont ceux qui ont émigré le plus récemment. Peut-être parce qu'ils ne se sentent pas tellement légitimes, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir, je ne sais pas. Peut-être ils trouvent que l'évolution de la société a fait qu'on traite mieux ce qui arrive maintenant que ce qu'on les a traités eux. Je ne sais pas si la mémoire collective joue. Ceux qui arrivent, qui ont un peu de moyens. Mais nous, quand on est arrivé, on s'est fait prêter les sous pour manger, pour aller acheter le plus nécessaire. C'est ça que c'est mauvais. On a laissé venir trop du monde, on avait du monde qui sont là. Nous, quand les émigrés, moi, je parle surtout pour ceux qui sont mes parents, pire, parce qu'ils en ont vu plus que nous. Et bien, ils venaient pour travailler, à ce moment-là, on était à la merci, ils venaient pour travailler, ils ne venaient pas que pour le social, pour... Et voilà, la différence, elle est là. Et jamais j'ai entendu personne de la famille et tout, à ce moment-là, dire on n'est pas aidé, on n'est pas si. Mais ils étaient bien contents quand ils avaient du boulot et tout. Et voilà la différence, moi je la vois là. Tout le monde a besoin de travailler. Enfin, c'est plus difficile aujourd'hui, c'est qu'à l'époque. À l'époque, mes parents, ils arrivaient, ils avaient le travail. De suite. Et là, c'est pas évident. Nous, au contraire, il y en avait trop de travail. Aujourd'hui, qui c'est qui le fait ce travail? Personne ne le fait plus.
Le résultat est qu'aujourd'hui, malgré tout ça, on s'est décarcassé pour essayer d'agrandir les terres, pour simplifier le travail, et puis plus rien ne marche. Ça fait même mal au cœur quand on voit qu'on est en train d'arracher les vignes et qu'on a fait des pieds et des mains, on s'est décarcassé pour au contraire agrandir la propriété. Tout. On en est là. Démographique très forte. Il y a des tas de gens qui veulent vivre en Méditerranée, sur les bords de la Méditerranée. Alors bien sûr, immédiatement, la première raison, c'est le climat physique. Mais je pense que très rapidement, il y a autre chose. Il y a la façon de vivre. Pour moi, la migration est un phénomène normal, qui vient tout simplement de l'évolution économique et démographique des pays. Donc, il est normal que les gens migrent dans tous les sens. Et vouloir figer une situation de population à un moment donné est quelque chose de tout à fait contraire à l'évolution de la société.